Shalom! Ceci est un message à la communauté juive francophone, du monde entier, mais francophone, donc de France, du Maroc, de partout. Voilà. J'ai été réveillé ce matin par des insultes de la part de deux personnes de la communauté juive française qui m'ont dit « fils de pute, on va venir te chercher au Maroc, etc. » Bon. Ceci, bien entendu, intervient après un article qui est sorti, je crois, hier ou avant-hier, sur France Inter, dans une rubrique sur l'antisémitisme, où vous allez voir mon visage, carrément, antisémite, on met ma tête, parce que j'aurais relayé donc une fake news qui disait que, pendant que les églises et les mosquées étaient fermées en France, les synagogues avaient encore des passe-droits, et il semblerait que certaines synagogues seraient encore ouvertes, alors qu'on était en confinement. C'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai fait que relayer cette information que j'ai lue dans plusieurs médias, d'ailleurs qu'on m'a envoyé, sur plusieurs médias différents, et aussi il y a un article d'un commissaire aussi qui le dit, que les juifs ont le droit de se réunir pour Shabbat, il y a aussi un article d'un commissaire qui dit aussi que les juifs n'ont pas besoin de se promener avec donc, la fameuse attestation d'autorisation de sortie, parce qu'ils sont de la communauté juive et que pour Shabbat, ils n'ont pas le droit de porter des objets. C'est pas moi qui l'invente tout ça. C'est ce qu'on m'a relayé. Et moi, je ne suis pas, n'oubliez pas, que je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un média d'information. Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un journal. Moi, je suis juste un alerteur lambda qui, effectivement, parfois ne vérifie pas toujours les informations que je relaye. Si ces informations sont fausses, comme tout le monde semble me le dire aujourd'hui, je m'en excuse. J'ai relayé des fake news, pardon. Mais c'était, encore une fois, c'était une interrogation. Moi, je me suis demandé pourquoi, si cette information était vraie, visiblement, elle semble, depuis le temps où cette information a circulé, maintenant, toutes les synagogues sont fermées, on est d'accord. Mais à l'époque, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours en arrière, c'était peut-être pas le cas pour tout le monde. J'ai dit bien peut-être. Et en tout cas, sur Strasbourg, il s'est passé quelque chose, puisque quasiment toute la communauté juive de Strasbourg est positive au coronavirus. C'est très grave. C'est très grave. Donc, il y a bien eu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis posé la question. Pourquoi, si cette information était vraie, pourquoi? C'est grave. Tout le monde, primo, doit être logé à la même enseigne quand il y a une loi républicaine. Il n'y a aucune raison que les synagogues aient le droit d'être ouvertes alors que les églises et les mosquées sont fermées. Maintenant, si c'est une fake news, encore une fois, alors, mea culpa, pardon, mes excuses, je ne veux pas froisser la communauté juive, des gens qui me suivent. Il y a une dame qui m'a dit « Je vous suis depuis des années, pourquoi vous avez tenu ces propos ?» Madame, je vous assure que ce n'était pas par antisémitisme. Il faut quand même comprendre une chose. Il faut remettre, comment dire, leur vraie valeur sur les mots. Moi, j'ai toujours dit que je n'avais absolument rien contre la communauté juive. Je n'avais rien contre le judaïsme. Je l'ai toujours dit clairement, dans toutes mes vidéos. Hein, aujourd'hui, on veut me faire des procès pour antisémitisme. Je suis sur le mur de balance d'un antisémite. J'ai des gens qui m'écrivent et qui m'insultent. Remettons les vraies valeurs, la valeur des mots, s'il vous plaît. Un antisémite, c'est quelqu'un qui veut que tous les juifs meurent, d'accord ? Et qui serait prêt à jouer aux osselets avec vos vertèbres. Un antisémite, c'est quelqu'un, si vous venez le matin lui dire espèce de fils de pute, il va vous répondre, je vais te cramer, toi, ta mère, ta grand-mère, tes enfants, ton pays. Un antisémite, c'est ça qu'il va vous répondre. Un antisémite, c'est pas quelqu'un qui se pose des questions, comme moi, et qui n'est pas d'accord avec, par exemple, la politique israélienne. La politique israélienne et le traitement des Palestiniens par le gouvernement israélien, par exemple, je trouve que c'est honteux. C'est même une honte au sein même de la communauté juive. Je pense que la communauté juive devrait se révolter contre cette façon de gouverner israélienne. On peut ne rien avoir contre le judaïsme, on est d'accord, et ne pas être d'accord avec la politique menée, qui est une politique sioniste, menée en Israël. Est-ce que le fait de ne pas être d'accord avec le gouvernement Netanyahou, est-ce que ça fait de nous des antisémites? Mais est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là? Combien y a-t-il d'antisémites dans la planète, alors? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance Netanyahou. Beaucoup, beaucoup de pays. Alors, dans ces cas-là, on est tous antisémites? Vous savez très bien que non.
Vous êtes intelligent, vous êtes le peuple le plus intelligent du monde. Mais, comme le dit Elise Moon, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu paranoïaque? Dès qu'on commence à critiquer ou à dire quelque chose et qu'il y a juif dedans, tout de suite, on est sur le mur de balance en antisémite, ou alors, parce qu'on a eu la quenelle derrière moi, hein, je suis systématiquement un antisémite. Je vous rappelle que moi, j'ai soutenu Dieudo pour la liberté d'expression. Cette liberté d'expression fait partie des principes mêmes de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Liberté d'expression. La République française, on le sait, est quelque chose auquel la communauté juive est très attachée. La communauté juive de France est attachée à la liberté d'expression. Comment pouvez-vous accepter qu'on muselle un artiste aujourd'hui, même si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas? Moi, je suis un coluchien, un déprogien, un leluronien. Leluron. Je veux dire, c'est des gens qui voilà, moi, cette liberté de dire ce qu'on pense est très importante dans ce pays. Moi, si j'ai soutenu Dieudo, c'est pour ça. Je trouve inadmissible qu'un artiste, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, n'ait plus le droit de jouer dans une salle de spectacle en France. C'est scandaleux. Et je soutiendrai Dieudo pour ça tout le temps. Pas pour ses positions personnelles sur le judaïsme ou pas. Je considère que Dieudonné n'est pas antisémite, moi. Mais après, ce que lui pense, ça ne m'appartient pas. Moi, je parle de ses spectacles. Il est hors de question qu'on muselle un artiste en France. C'est pour ça que je soutiens Dieudo. Je l'ai soutenu et il m'a remercié avec une quenelle que j'accepte. La quenelle, ce n'est pas un geste antisémite. Ce n'est pas le geste nazi. La quenelle, ce n'est pas ça. La quenelle, c'est dire, nous, ceux qui veulent nous enlever la liberté d'expression, on leur fait un bras d'honneur, c'est ça. Moi, je l'entends comme ça, la quenelle, voilà. Et je la prends comme ça, et je la mets, et je l'accepte comme ça. Voilà. C'est pas, pour moi, le symbole de l'antisémitisme. C'est clair ? Maintenant, je ne suis pas antisémite. Si j'étais antisémite, je dirais, comme les vrais antisémites, allez crever, j'espère que vous allez tous mourir, vous, votre pays, machin. Moi, je ne suis pas d'accord avec la gouvernance israélienne. Il y a énormément de racistes au sein même de la famille politique israélienne. Il y a des députés, je ne sais pas s'il y a des sénateurs là-bas, qui tiennent des discours d'un racisme, mais qui n'existe pas en Occident. Un truc de fou qui n'existe pas dans les pays africains. Un racisme incroyable. Alors, est-ce que le fait de le dire, ça fait de nous un antisémite? Je veux vous dire à tous, la communauté juive qui m'écoute, vous pouvez venir me parler, si vous ne m'insultez pas. Évidemment, si vous venez en me disant « espèce de fils de pute, on va te cramer », je ne peux pas répondre gentiment. Vous vous doutez bien que je réponds. Non, venez me parler. Ce matin, on a pu régler ce problème avec les deux personnes qui m'ont agressé ce matin sur Messenger. On a fini par « merci, bonne journée, merci à toi ». Ça s'est fini comme ça. Et je les salue. Je leur ai dit que je ferais cette vidéo. Parce que quand on est intelligent, qu'on va à la synagogue tous les samedis, on ne peut pas avoir un comportement en disant « toi, espèce d'enculé, on va venir à Marrakech te tuer ». C'est pas possible, les mecs. On peut me parler. Venez sur Discord, vous pouvez venir me parler. Vous pouvez venir me parler n'importe où, en réalité, même sur Messenger, vous m'avez trouvé. Bon, je ne suis pas antisémite. Est-ce que c'est clair? C'est ridicule. Hein? Donc je disais, je m'adresse à la communauté juive. Vous ne pouvez pas m'objecter qu'il n'y a pas parmi la communauté juive des escrocs, des gens dangereux. Il y a par exemple la taxe carbone. Les Français ont été floués de plusieurs milliards d'euros par des Israéliens, des franco-israéliens qui aujourd'hui sont planqués en Israël alors qu'ils mériteraient la prison. Vous ne pouvez pas m'objecter que ça n'existe pas. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, est-ce que si on les dénonce, est-ce que si moi je parle d'eux, par exemple, en tant qu'escrocs, est-ce que ça fait de moi un antisémite? Moi, c'est ça la question que je pose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, alors? À partir du moment où il y a un juif dans l'histoire, on n'a pas le droit de le dire? C'est ça le discours que vous voulez m'imposer? Ou que vous voulez imposer à tout le monde? Mais ça ne marchera pas. Un tôt ou tard, il va falloir que, par exemple, Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy rendent des comptes. Agnès Buzyn, elle a passé 11 vaccins obligatoires aux Français. Et parmi ces vaccins obligatoires, il y en a certains dont les brevets appartiennent à son mari, Yves Lévy. M'a-t-on dit? Est-ce que c'est une fake news? Vérifions tous ensemble. Voilà, vérifions cette information. Si c'est vrai, par exemple, est-ce qu'on pourrait savoir ce que c'est que ce conflit d'intérêts? Pourquoi Agnès Buzyn, au mois de janvier, par exemple, a décrété la chloroquine produit vénéneux, classé dans les poisons? Pourquoi?
Est-ce qu'elle n'a pas des comptes à rendre? Est-ce que Yves Lévy, qui a inauguré le laboratoire P4 de Wuhan, n'aurait pas des comptes à rendre? Expliquez-nous. Alors, effectivement, tous les deux sont juifs. Est-ce que c'est de ma faute? Moi, j'ai pas... S'ils avaient été chinois, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, voilà, c'est Wuhan et c'est Wang et... Non, il s'avère que c'est... Je veux dire, c'est... On donne un César aujourd'hui à Polanski. Est-ce que c'est de ma faute si Polanski est poursuivi par la justice américaine pour, je crois, viol et pédophilie, depuis des années? C'est-à-dire quelqu'un qui est en cavale pour des délits qui sont graves aux États-Unis. C'est une démocratie, hein, c'est pas, il est pas mis, sa tête n'est pas mise à prix par une république ou un pays dictatorial, par la Corée du Nord, non, par les États-Unis, qui est l'allié de la France, me semble-t-il. Comment peut-on donner un César qu'on nous explique? Alors on va dire, ouais, mais c'est de l'antisémitisme. Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Parce qu'il s'appelle Polanski et qu'il a la communauté juive, on n'a rien le droit de dire. Mais excusez-nous, mais... Alors, donc, ça va coûter la carrière de cette pauvre Florence Foresti? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger? Est-ce qu'on a le droit de s'interroger? Moi, c'est... Est-ce qu'on a le droit de dire les choses telles qu'elles sont? Je veux dire, Polanski est-il un criminel? Et tant que le doute n'est pas levé sur sa personne, est-ce que c'est bien de lui filer un César? Est-ce que le fait de le dire, c'est de l'antisémitisme? Moi, je soulève ces questions-là. Si ce que je viens de dire là maintenant dans cette vidéo est passible de la, je sais pas, du tribunal et de condamnation française, j'assumerai. J'irai au tribunal et si je suis condamné, je paierai mes amendes. Je vous assure. Mais je ne vois vraiment pas, sincèrement, ce que j'ai bien pu dire de mal aujourd'hui dans cette vidéo-là et elle résume toute ma pensée. Que je n'ai rien, et je le répète, contre la communauté juive, je n'ai rien contre le judaïsme, que ce soit clair. Et il me semble qu'un antisémite est quelqu'un qui, justement, est le contraire de ça. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il puisse exister des passe-droits chez certains membres de la communauté juive sous prétexte qu'ils ont du talent, comme Polanski par exemple. Je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec le fait que le gouvernement israélien puisse avoir le droit d'opprimer un peuple qui est le peuple palestinien. Je ne suis pas d'accord. Alors, si ça mérite le tribunal, mettez-moi au tribunal. J'assumerai et j'irai défendre mes idées. Il me semble que je suis centré dans le cœur. Il me semble que les deux personnes avec qui j'ai parlé ce matin, les deux jeunes qui m'ont insulté au premier abord, mais qui sont revenus et qui ont fini par dire « Ok, très bien, ça va, on a compris. » Il me semble que ces gens-là qui vont à la synagogue tous les samedis m'ont-ils dit « ont compris que j'étais un être humain. » Et que je leur ai parlé fraternellement. Je vous parle fraternellement. Je n'ai absolument rien, encore une fois, contre les Juifs. Si j'avais été dans les années 39-40 en France, moi, j'aurais été partie de ceux qui auraient couvert les Juifs et abrité des Juifs. Voilà. Parce que je trouve ça inhumain, ce qui s'est passé dans les années 39-40. Est-ce que c'est clair? La Shoah, c'est inhumain. Moi, quand je regarde la liste de Schindler, j'ai mis 3 jours à m'en remettre la première fois que je l'ai vu au cinéma. Je n'osais même plus sortir du cinéma. Bon, c'est ce qu'on a fait aux Juifs, ce qu'on a fait aux Boat People, ce qu'on a fait aux Amérindiens. Moi, c'est, je suis un être humain, je ne supporte pas ça. On ne peut pas me traiter, moi, d'antisémite. C'est pas possible. Comprenez ça? Voilà. Donc, je vous demanderai de réviser votre avis sur moi en ce qui concerne mon antisémitisme avéré. Je ne le suis pas. Je vis au Maroc, dans un pays où les trois religions et toutes les communautés vivent en parfaite symbiose. Il y a beaucoup de juifs au Maroc, ils y vivent très bien, ils y prospèrent, ils n'ont absolument pas, ils ne sont pas victimes d'agression ni d'agressivité. Les musulmans, il n'y a aucun souci avec, entre juifs et musulmans. Les chrétiens, on n'a aucun problème avec les musulmans ni les juifs, tout va très bien. Pourquoi ça n'irait pas bien ailleurs? Ça n'est pas, à la limite, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, hein. C'est à chacun d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une importation du conflit israélo-palestinien en Occident? C'est vous qui voyez. En tout cas, est-ce que c'est clair? Je pense avoir été très clair dans cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas la peine de m'insulter, de faire des commentaires d'insultes, parce que j'ai pas cherché ça. Vous comprenez bien que je cherche ici un dialogue, hein. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi vos insultes.
Et puis, venez dialoguer avec moi. Je vous ai passé, je vous tends la main. Maintenant, à bientôt. Shalom, shalom. Ciao.